Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Se réveiller pour se transformer. Je suis Eric et aujourd'hui je vais partager avec vous une activité que j'aime faire en forêt. J'aime me connecter aux arbres. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, je suis en train de marcher dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, à l'ouest de Paris. Une grande forêt dans laquelle vous allez trouver de nombreux arbres. Beaucoup de chênes, beaucoup de châtaigniers. Et au moment où je vous parle, je suis dans un coin qui est rempli de sapins. Je trouve des arbres magnifiques. Ils m'apportent un détachement, de la légèreté, et ils me permettent d'élever mon esprit. Les arbres ont cette capacité d'ancrer. Quand je me mets à côté d'un arbre, je ressens une connexion entre la terre et le ciel. J'arrive à m'imaginer être comme eux. Des racines bien ancrées dans le sol, qui puisent dans les forces telluriques de la terre, et qui poussent vers le ciel, qui vont chercher la lumière. Il y a dans cette capacité de monter plus haut, cette élévation de l'esprit, eh bien je la recherche. Je suis en recherche d'une connexion corps par la marche, âme par les émotions que je ressens en étant au milieu d'eux. Ces émotions qui proviennent de mes cinq sens. Je regarde les arbres. Je touche leur écorce. Je hume l'odeur, notamment des pins. J'entends mes pas qui crissent sur le sol. Les oiseaux qui chantent. Voir le vent qui fait bouger les feuilles. Et puis, il y a le goût. Le goût des arbres. Et quand je vous parle du goût, je ne parle pas du fait que je mange un arbre. Bien que certains pourraient le faire, il y en a qui boivent de la sève de bouleau. Mais je parle de ce qu'il me reste en bouche. Ce qui reste à l'intérieur de moi, de ce passage en forêt. Me connecter aux arbres est une manière de me connecter à moi-même. Une connexion corps, âme, esprit, que j'appelle la triangulation de soi. Alors, lorsque j'ai trouvé un arbre qui me plaît particulièrement, qui a attiré mon regard, qui a élevé ma tête vers le haut, je m'arrête et je l'observe. Je le regarde et je lui demande s'il veut bien que je me connecte à lui. Je regarde ses racines, j'observe les détails de son écorce, j'élève mon regard et je lui demande « Est-ce que je peux me connecter à toi ?» Évidemment, il n'y a pas de réponse. Un arbre ne parle pas, mais un arbre émet des vibrations. Et quand on se tient à une distance d'un ou deux mètres d'un arbre, on peut commencer à ressentir une énergie qui circule, un picotement. Et quand cette énergie devient perceptible, alors l'arbre nous a permis de nous connecter. À ce moment, je fais quelques mouvements de respiration pour activer mon énergie intérieure. Je respire par le ventre,
et puis j'élève ma respiration vers ma poitrine pour ensuite la faire monter jusqu'à mon cortex. Je retiens cette respiration 30 secondes pour ensuite expirer lentement, redescendre cette respiration jusqu'au niveau de mon estomac, voire jusqu'au niveau de mes pieds, comme si je m'ancrais dans le sol. Je fais ça quelques minutes, une fois, deux fois, trois fois, et lorsque le moment est venu, j'appose mes mains sur l'arbre et je sens la vibration de l'arbre qui s'harmonise avec ma respiration. Nous restons ensemble comme ceci pendant 5-10 minutes et nous conversons par juste l'échange d'énergie entre l'arbre et moi-même. Un vrai bonheur, une vraie manière de trouver un lâcher prise de notre vie tumultueuse que nous avons tous les jours. Et vous, est-ce que vous vous connectez aux arbres? Est-ce que vous aimez marcher en forêt? Avez-vous déjà essayé de vous connecter à un arbre? De poser vos mains, de fermer vos yeux, d'intérioriser votre respiration et de ressentir la vibration végétale qui s'harmonise avec votre vibration animale. Avec cela, en fin de compte, nous arrivons à harmoniser le monde de la nature, cette dame nature, celle qui nous a donné le souffle et qui nous permet de nous élever au milieu du monde végétal et du monde minéral. Tout un programme, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère qu'il a pu vous apporter un moment de détente, de relâchement. Et si vous souhaitez découvrir comment vous connecter à un arbre, allez voir sur le blog Se réveiller pour se transformer. Vous y trouverez des articles qui traitent de ce sujet. Et puis, le cas échéant, contactez-moi. J'aurai plaisir à vous aider et à vous accompagner. Belle journée à vous. Et pour moi, eh bien, je vais reprendre le chemin du retour. À bientôt. Thank you.